C'est un petit cochon bien bon qui fait le tour de la maison. Souris sans recette, qui sont des adawendes sur la rime à petit téton. Souris sans recette, qui sont des adawendes sur la rime à petit téton. C'est le bonhomme tempête qui s'en va soigner ses cochons. C'est le bonhomme tempête qui s'en va soigner ses cochons. Fait arriver devant les tables à faire un petit hérisson. Souris sans recette, qui sont des adawendes sur la rime à petit téton. Souris sans recette, qui sont des adawendes sur la rime à petit téton. National des Québécois. On est super choyés. On est content d'être avec vous ce soir. Il fait beau, il fait chaud. Les élèves sont super contents d'être là. Alors, nous présentons un spectacle traditionnel. Qui dit musique traditionnelle dit musique à répondre. Et qui dit musique à répondre dit il faut répondre. Alors, on compte sur vous pour répondre à tous ces beaux airs-là. Alors, voici une prochaine chanson intitulée Le Pont. Ça sonne-tu, cette guitare-là? Ça marche-tu, là? Bon, ben merci, super. Désirer. Il y a de l'autre côté tout ce que l'on peut dire.
qui a été popularisé par la volée de castor. Il y en a-t-il qui connaissent ça, la volée de castor? Oui, super. Belle embarquée, peut-être que vous allez reconnaître ça. Allez-vous répondre? Entendez-vous les paroles assez pour répondre? Oui, cool. Bien, nous autres, on vous entend pas bien répondre, alors il faut bien répondre fort, d'accord? C'est bon? Super.
s'installe pour la prochaine pièce. J'en profite pour vous en présenter quelques-uns. En fait, des 12 élèves qui participent ce soir à cette belle fête, ce sont des élèves du programme Musique-Études, Sport-Arts-Études, qui a lieu avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières et notre école de musique. Alors, je vous présente les musiciens qui viennent juste de jouer à la flûte à bec. Vous avez entendu Audrey-Jeanne Tardif. Au piano, Alexandra Paul-Mercier. Nous avions au violon Juliette Ellie. Et nous avions également Anouk Mendez. Alors, ce sont les élèves du secondaire 1 et 2 que je viens de vous présenter. On continue! Merci! Est-ce qu'il y a des parents ici qui ont des adolescents précaires? Hein? Précoce, non pas précaire, précoce. Excusez-moi, je me lance dans mes mots pas en même affaire, hein? Hein, y en a-tu? Levez la main, vous avez le droit. Hein, vous osez pas, hein? Vos ados sont avec vous autres. Ben là, la prochaine chanson, c'est une chanson qui s'appelle « Maman, j'ai 14 ans », une jeune fille qui voulait se marier à 14 ans, puis elle s'ostine avec sa mère, parce que sa mère, elle s'est mariée un petit peu trop tard, un petit peu trop tôt, c'est-à-dire, puis elle était pas très bien mariée. Fait que, c'est ça. On vous la raconte. Eh bien, maman, j'ai 14 ans, je veux me mettre en ménage. Eh bien, maman, j'ai 14 ans, je veux me mettre en ménage. J'ai 14 ans, je suis plus une enfant, je suis sage et jolie pour plaire. Eh bien, maman, j'ai 14 ans, je connais mon affaire. Eh bien, maman, petite effrontée à 14 ans, passée aux amants. Attends-toi donc, petite effrontée à 14 ans, passée aux amants. Mais si je prends la manche à valet, tu vois ce que c'est qu'une mère. Eh ben maman, j'ai 14 ans, je connais mon affaire. Eh ben maman, j'ai 14 ans, je connais mon affaire. Eh ben maman, j'ai 14 ans, je pense au mariage. Eh ben maman, j'ai 14 ans, je pense au mariage. Irlandaise, parce que nos racines, vous savez, je vous explique un petit truc rapido presto pour vous expliquer pourquoi on fait souvent de la musique irlandaise avec la musique traditionnelle. Parce que les Irlandais puis les Québécois, dans le temps des Patriotes, on avait la même aversion contre les Anglais. On avait été colonisés à peu près en même temps. Les Irlandais avaient été colonisés à peu près en même temps que nous, on a été colonisés au Québec. Fait que quand ils se sont envenus ici, au Québec, les Irlandais sont venus se réfugier ici au Québec. Quand ils sont arrivés ici,
on avait la connivence ensemble de la même aversion face à l'Angleterre. Donc, ils se sont mis ensemble, ils ont fait des parties ensemble. Puis même s'il y avait des anglophones puis des francophones qui passaient des veillées ensemble, ben ils s'échangeaient leur musique. Ils tapaient du pied, ils chantaient. Les Irlandais sont arrivés, puis il y avait leur flûte, il y avait leur violon. Puis nous autres, ben on avait des violons aussi, puis on avait des casseroles, puis on avait des pieds puis des planchers en bois franc. Fait que le monde se faisait des veillées, puis ça faisait des super parties. Notre musique s'est mise vraiment ensemble. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'influence dans notre folklore avec la musique irlandaise. C'est pour ça qu'on vous intègre de la musique irlandaise ce soir. Donc, The Last Rose of Summer. Avec quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. Ah, y en a-t-il qui connaissent la poule à Colin? Hein? Vous connaissez la poule à Colin? Ben là, vous allez entendre une autre version de la poule à Colin avec les mêmes paroles. Fait que là, vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir, il y a une autre mélodie. On va vous faire ça un petit peu différent. Colin a une poule qui pond tous les matins.
Une petite chanson plus lente que vous allez reconnaître aussi. C'est exactement, il me semble que c'est évident, mais bon. Isabeau s'y promène. Ça vient avec la terre. Oui, c'est ça, cette expérience. Je regardais, je me disais le coup. Une chanson qui a
nos ancêtres s'amusaient beaucoup, nos arrière-grands-parents puis nos grands-parents s'amusaient beaucoup avec les mots. Donc, vous allez voir la prochaine chanson. Cherchez pas trop le sens si vous êtes des gens à texte, là. Moi aussi, j'aime beaucoup les textes, mais la prochaine chanson, c'est des sons qui swingent. C'est des mots qui swingent, qui ont mis ensemble. Puis nos ancêtres s'amusaient beaucoup avec ça. Fait que, vive l'amourette! Présenter nos plus jeunes du groupe Sparrard Études. Ils sont en 5e et 6e année. Alors, nous, je vais vous les présenter en ordre. Camille Emery, ensuite Juliette Touga, Corinne, il ne faut pas que je me trompe ton nom de famille, Le Duc, hey. Et Romy-Rose Larroux, bravo! Il y en a-tu qui ont connu Garoulou? Il y en a-tu qui ont connu Garoulou, hein? Cette chanson-là a été un peu popularisée par eux autres. Il y a bien des gens qui l'ont connue. On a 10 minutes, on a 10 minutes, on a 10 minutes. OK. On y va avec Au chant de l'Alouette. On m'envoie tout
Alors, on nous dit qu'il nous reste très peu de temps. Alors, nous allons écourter un petit peu. Nous allons faire trois dernières chansons toutes courtes. La Vendée, Fendez-le-Bois et Les Prisons de Londres. J'en profite pour vous présenter nos plus avancés du programme Sport Hors Études. Ariel Beaulac, Marie-Laurence Thérien, nous avons à la base Thomas Duquette-Plante et au piano Marc-Kevin Lactam Robert. Merci à tous pour cette belle soirée. Trois dernières chansons rapides. Merci. Le bois, chauffer le fou, dormez la
Londres, vous la connaissez, chantez.